La TOTY est finie, mais les headliners arrivent très très vite. Donc si tu veux faire le plein de crédit, je te conseille d'aller sur IGVote. Tous les liens et réductions sont dans la description. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application phare sur le football qui va vous permettre de suivre l'actualité de vos clubs préférés. Lien en description. Les gars, toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez-moi, ça va super. Et aujourd'hui, très très gros fut champion. Comme vous pouvez le voir, il y a deux équipes qui se sont affichées. Parce que j'ai joué avec les deux, voilà, il y a deux joueurs qui ont changé. Pour info, on a joué les 25 premiers matchs avec Militao régulier et Marcelo flashback. Et les 5 derniers matchs, j'ai joué avec Benjamin Mendy in form et j'ai joué avec Fabian Schär en version Moments. Pourquoi les 5 derniers? Ben, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai eu un rouge avec Militao et j'avais la flemme, mais vraiment la flemme d'aller lui enlever le rouge en clash d'équipe, à quitter le match. Du coup, j'ai changé de joueur, j'ai mis Mendy et j'ai fini. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ça peut surprendre, mais voilà, j'ai kiffé. En plus, Mendy, super fort. Vraiment, je pense que je vais même faire le prochain fut champ avec parce que c'est vraiment un coup de cœur. Il est très très fort. Et puis voilà. Du coup les gars, très très gros fut champ, ça fait archi plaisir. Voilà, ça fait du bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a joué l'intégralité quasiment des matchs de minuit à 7h30 du matin lundi. Voilà, lundi, on peut le dire, c'était lundi. Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà, j'ai très peu dormi le samedi soir. Je suis rentré très tôt le matin. J'ai très peu dormi et c'est vrai que j'étais obligé de récupérer. Du coup, j'ai dormi le soir jusqu'à minuit. J'ai mis un réveil et puis il fallait partir au charbon tout simplement. Voilà, essayer de faire au moins 14 victoires. Mais vu le départ, bah, je me suis dit, vas-y, fini. Voilà, tout simplement, fini. Du coup, bah, on a aussi testé Ben Yedder, voilà, tant qu'à faire. Le fameux Ben Yedder POTM que j'attendais depuis plusieurs jours. Je l'ai fait direct, voilà, vous avez vu la vidéo précédente où on ouvre des packs et où on fait le SBC. Du coup, ben voilà, on a testé le joueur pendant ce fut champion. C'était vraiment lui la grande nouveauté. C'est vrai que les autres joueurs, on les connaît, je les connaissais. Et Ben Yedder, c'était vraiment un peu une nouveauté. J'ai pas trop testé même ses cartes boost, sa carte OTW. J'ai dû tester, mais vraiment vite fait. Et là, c'était une grande première, on va dire. Et je ne suis pas déçu. Voilà, je ne suis pas déçu. Après, c'est vrai qu'au début du fut champ, en ce dimanche, j'étais en 2-0. Il y a des matchs qui ont sauté. Il y en a 3-4, pas plus. Et de toute façon, vous avez le petit ratio. C'est vrai que j'étais un peu déçu. Je n'étais pas impressionné. Il était bon, mais sans plus. Tu vois, genre, il fait le taf. Mais il n'a pas le petit éclair de génie. Il n'a pas non plus le truc qui te fait vraiment surkiffer un joueur. Mais au fil du fut champ, j'ai vraiment kiffé. Voilà, j'ai vraiment kiffé. Après, il a des points faibles. Voilà, il en a. On va venir là-dessus. Il a de gros points forts. Bon, mais les 5 mauvais pieds, ça, c'est juste une tuerie. Voilà, tu peux être du gauche, du droit. Tu ne te poses pas la question. Voilà, tu n'es pas là à te dire, oh, il faut que je me mette sur le droit. Tu vas te faire anticiper, machin. Que lui, que tu tires du dos, du gauche, du droit, c'est pareil. Et c'est très problématique pour les défenseurs. Là, ici, le mec avait mis 3 CC. Voilà, il en pouvait plus. Il perdait 3-0. Mais ouais, tu peux te mettre à gauche, à droite. En fait, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, tu peux repiquer dans l'axe. Tu peux, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment la très grande qualité des 5 mauvais pieds. C'est une stat indispensable. Et c'est sûrement la stat que je regarde le plus, en fait. Il me faut au moins 2 attaquants sur 4 avec cette stat. Et c'est le cas dans notre team avec du coup Neymar qui a 5 mauvais pieds. Et Ben Yedder qui les a. Du coup, ça, c'est le gros point positif. Autre point positif chez le joueur, bah, c'est sa finition. Voilà, sa finition en elle-même, dans la surface, je parle. Incroyable, voilà, ça tremble très très peu. J'ai touché quelques poteaux, j'ai pas été très chanceux, mais bon, les poteaux, c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est fort, voilà, c'est fort, c'est du très haut niveau, ça tremble très très peu. Et c'est vraiment un plaisir. Sinon, autre point positif, c'est tout ce qui est équilibre, agilité, voilà. C'est parfait pour cette méta. Quand tu lui fais la passe, que tu es un peu en pivot, tu te retournes hyper facilement quand tu es à l'arrêt. Tu enchaînes bien les gestes techniques aussi, c'est très technique. À voir, Esky Esport va lui mettre 5 étoiles en gestes techniques lors de la prochaine mise à jour hivernale.
Bah, c'est une question qu'on peut se poser, les gars, parce que Ben Yedder avait tweeté dernièrement et avait mentionné EA France, je crois, en disant « Oui, c'est quand que j'ai les 5 étoiles gestes techniques ?» Enfin, un truc du genre, hein, pour ceux qui suivent l'actu des réseaux sociaux et du foot un petit peu. J'ai souvenir que Ben Yedder avait tweeté, donc bon, on sait jamais, hein, il marche un peu à l'affectif, EA, et ça se trouve, ils vont réagir, mais bon, après, c'est très peu probable que ça se fasse, mais il faut quand même y croire. Et là, un Ben Yedder avec double 5, vous voyez, hein, déjà, là, regardez, c'est monstrueux. Mais un Ben Yedder avec double 5, ça risque d'être incroyable et on peut se prendre à rêver, pourquoi pas. Du coup, voilà. Autre point positif, bah, l'accélération, voilà, c'est très propre, ça court vite, voilà, ça court vite, donc ça, c'est une bonne qualité chez le joueur. Physiquement, c'est problématique, c'est l'endurance. On va venir au point faible du coup du joueur. L'endurance, c'est compliqué. Voilà, en fin de match, c'est compliqué. C'est vrai que plus le joueur est fatigué et plus justement les capacités de celui-ci vont réduire. Et du coup, oui, quand il est fatigué, il va être moins efficace devant le but, il va plus rater, il va pousser la balle plus loin. Enfin voilà, vous connaissez, c'est l'endurance. Et c'est vrai que le 74, c'est faible. Voilà, c'est faible. C'est très problématique chez lui et bah, tu peux rien faire, tu lui mets un style, ça ne lui augmentera pas l'endurance, c'est comme ça. Du coup, il faut prévoir un buteur sur le banc, voilà, pour le changer. Hein. Si tu dois changer un de tes attaquants, c'est lui, du moins me concernant. Mbappé, 99 d'endurance, je crois, tu peux pas le sortir, il est jamais carbo. Neymar, je le sors pas parce que c'est le meilleur joueur du jeu pour moi. Et Mahrez, bah, c'est un petit peu plus fort en endurance, c'est vrai que Mahrez, c'est un vrai coup de cœur. Là, pour le coup, c'est le côté affectif qui parle. Mahrez, c'est parce que je kiffe le joueur. Voilà, il y a sûrement mieux, mais moi, j'aime bien jouer avec. Du coup, je ne le sors pas. Et c'est vrai que Ben Yedder, c'était son problème. Autre problème aussi que j'ai trouvé chez le joueur, c'est au niveau de la frappe de loin. Voilà, quand tu es un petit peu en dehors de la surface, c'est très, très, très compliqué. C'est vraiment... Je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Après, ça peut rentrer... Mais c'est largement moins bon, par exemple, qu'un Mbappé ou même qu'un Mahrez. Hein. Mahrez est nettement meilleur, selon moi, en frappe de loin. Et c'est vrai que ça m'a posé problème. Puis sinon, voilà, c'est très sympa. Voilà. Après, j'ai pas d'autres points négatifs. Bonne détente aussi. Hein. Je l'ai vu par moments prendre des ballons aériens alors qu'il est tout petit. Mais la détente a beaucoup joué. Le placement offensif, comme ici, j'aurais pu lui faire la passe. Je ne suis pas sûr qu'il était hors-jeu, mais voilà, ça se place bien, ça cherche les bons appels, ça demande le ballon de bonne façon. Franchement, rien à dire. À partir de là, on était en 14-0, les gars, et là, eh bien, les difficultés allaient commencer, forcément. Hein, avec un ratio pareil, tu es obligé de jouer des mecs bons. Alors, le fait d'avoir joué tard aussi, ça m'a beaucoup aidé pour les rage kits. Et c'est vrai que, bon... J'étais un peu moins fatigué, je venais de dormir, voilà, j'avais quand même, disons, un petit peu plus de résistance. Voilà, souvent, on craque dans ces matchs-là, voilà, à partir de 15-0, on a souvent tendance à perdre des matchs. Mais c'est vrai que là, j'étais vraiment déter, j'étais pas fatigué de la regarder. Dinguerie, voilà, c'est la première, on va dire, dinguerie de ce fut champ. Mais je me suis pas agacé une seule fois, vraiment, là, j'ai vraiment... j'étais un petit peu obligé de pas m'agacer, voilà... On a marre un petit peu de choke tout le temps. Et c'est vrai que là, j'ai gardé mon sérieux, j'ai gardé mon calme. J'ai pas fait de bruit parce que ma fille dort dans la chambre à côté. Elle fait ses nuits juste à côté. Et c'est vrai qu'avant, elle dormait en bas. Je pouvais un peu plus crier. Mais là, tu peux pas. À un moment donné, il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux, on est des adultes. Et c'est vrai que là, ça m'a beaucoup aidé de pas crier, de pas rager. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi qu'on en est là. Et c'est à méditer pour les prochains, voilà, c'est sûr que le jeu fait péter des câbles, mais là, j'étais obligé de ne pas crier, de ne pas rager, et du coup, bah, on est en 16-0, voilà, on est en 16-0 à partir de ce match-là, et regardez, ça va très bien jouer, très tôt dans le match, voilà, on annonce la couleur, 5e minute de jeu, ça joue juste, et on trouve Ben Yedder qui, comme je vous disais, est toujours très très bien placé, ça fait du coup 1-0, Mbappé... On se joue de la défense ici, on va trouver Ben Yedder. Et vous voyez ce que je vous disais, les dribbles. Là, regardez, hein, ça n'a pas poussé la balle loin. Et pourtant, je les enchaîne les dribbles. Hein, vous voyez, je les enchaîne. Et là, ça va être vraiment très très bien joué avec Mbappé. Qui finit le travail. Et ça fait du coup 2-0. Encore un rush kit. J'aurais dû les compter.
si quelqu'un courageux veut le faire, c'est avec grand plaisir, les gars. Mais c'est vrai qu'on en a eu pas mal. C'est vrai qu'au début, on n'en a pas eu trop, mais après, ça a vraiment enchaîné. Du coup, 17-0, la passe magnifique de De Bruyne. Vraiment, elle était propre, celle-là, franchement. Elle a coupé vraiment beaucoup de lignes et elle fait plaisir. Du coup, ça fait 1-0. On est ici en deuxième mi-temps, on va trouver Ben Yedder, on a vu Mbappé qui fait l'appel. Là, on a un peu de réussite, voilà, on a le compte favorable, on peut le dire. Ça passe à travers et du coup, ça nous permet de doubler la mise et surtout de gagner le match. Voilà, et là, premier très gros joueur. Alors, vous avez vu, la team est pas si ouf. Voilà, à ce stade du jeu, je pense que c'est simple de faire mieux si tu joues tous les jours. Voilà, si tu joues tous les jours avec les récompenses, avec les swap icônes, tu peux largement avoir mieux. Mais qu'est-ce qu'il était fort, vraiment. Là, je vous le dis, les gars, c'est ma team qui m'a sauvé. Je pense que le mec a la même team que moi, il me pulvérise, il me soulève, tout ce que tu veux. Mais on a eu, disons, l'avantage de la team. Là, regardez, bon, son but est un peu litigieux parce qu'il a un compte favo avec Ben Yedder. Nous, c'est pareil. 2-1, et puis bon, on prolonge avec la qualité de mes joueurs. Ils étaient moins fatigués. Pour info, le mec a fait 27 victoires hein, en face. Avec une team comme ça, franchement, c'est quand même assez difficile, surtout sur Xbox. Et c'est vrai que c'était le premier match très très chaud. Du coup, 19-0. Là, le mec était beaucoup moins fort. Hein. Regardez, on va dérouler le 1-0. 34e minute de jeu, quasiment dans la foulée. On va avoir ici un ballon avec Neymar. On va vraiment plutôt bien jouer. Ça va être une belle action. On va prendre notre temps. Tranquille, on a vu l'appel d'Mbappé. Ça tremble pas à ce positionnement. Ça fait du coup 2-0. Et là, le mec va mettre pause et il va rage-quit. On est aux deux tiers du fut champ. 20-0. C'est notre record. Voilà, je pense pas qu'on ait fait mieux. Peut-être, mais j'ai pas souvenir. C'est vraiment un départ rêvé, c'est vraiment propre. Et c'est pas fini, les gars. Mbappé qui va marquer ici du gauche, hein, ça tremble pas, hein, c'est très fort aussi du gauche, malgré les 4 étoiles en geste technique. Il y a un match qui a sauté, les gars, on est en 22-0 à ce moment-là du fut champion. Et là, pareil, le mec était vraiment bon. Et pour être franc avec vous, j'ai eu de la réussite ce match. Le mec a vraiment, vraiment, vraiment dominé. Il a eu beaucoup d'occasions. Et il m'a même envoyé un message en disant le truc de rageux que même moi je sors. Ouais, t'es hors 2 sans ta team, machin. Et je me suis même pas gazé. Je lui ai répondu, oui, bon, t'as dominé, ok, désolé. Puis le mec l'a bien pris. Il m'a dit, ah, machin, désolé. Je lui ai dit mon ratio, on a parlé, tranquille, voilà. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que le jeu rend con. Hein, faut pas, en vrai, on envoie tous des messages cons, mais au final, on le pense pas forcément. C'est juste qu'on est pris dans le jeu. C'est vrai qu'avec les dingueries et tout, c'est compliqué. Là, on a pris une défaite. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le tableau des stats. Et à partir de là, on va avoir des difficultés. C'était très serré sur la première défaite. Il y avait moyen. Là, on va un peu craquer la fatigue plus les nerfs. Hein. Forcément, là, je commence un petit peu à rager quand même parce que la défaite d'avant. Et c'est vrai que là, pour être franc avec vous, ce match... Là, le mec était loin d'être ouf. Vraiment, il était loin d'être ouf. Mais c'est le genre de match, en fait, typique, où t'as 50 buts. Déjà, il y a 3-2. Après, c'est loin d'être fini, les gars. Regardez, on va mettre le 3-2. Puis là, on va égaliser quasiment dans la foulée. Voilà, on va jouer propre. Là, il n'y a rien à dire. Hein. L'action, elle est propre. Il n'y a pas d'arnaque. 4 partout, il y a eu. Voilà, j'ai pas mis les deux autres buts. Ça allait faire trop long. Et on va perdre au péno. Voilà, on va perdre au péno 5-3. Sur la séance de pénalty. C'est dur, voilà, 2 défaites de suite. On n'a pas fait vraiment d'erreur. Après, là, j'ai perdu mon sang-froid. Même là, vous allez voir ici. Là, je fais la grosse erreur, c'est totalement de ma faute. Je relance dans l'axe. Je commençais à m'agacer, voilà. Après, j'ai pas souvenir, vraiment. Il y a eu des poteaux, peut-être, mais ça m'a pas choqué. Après, là, je suis conscient que c'est vraiment moi qui ai merdé, quoi. C'est vraiment moi qui ai merdé. Faut faire mieux, voilà. Faudra faire mieux sur ces matchs. Là, on va câbler, voilà. Regardez, c'est con. Je prends en rouge. Du coup, j'ai mis Gullit d'essai et il me manquait un buteur. Là, bah, c'est pas de chance, hein, le compte favorable, mais bon. C'est comme ça, voilà. C'est comme ça. Je suis un peu déçu sur le coup et je peux m'en prendre qu'à moi-même.
on va faire le forcing à chaque fois. Hein. C'est serré, c'est un peu comme le match d'avant. Hein. Beaucoup de buts déjà. On joue propre, regardez, là c'est offensivement, c'est... Il n'y a pas d'erreur, voilà, ça joue correctement, on fait les choses bien. Là, on a vu le départ de Ben Yedder, 3-2, avec un rouge compliqué. Hein, même si ma défense est à 4, hein, mais c'est vrai qu'il manquait un buteur. Et là, on va mal défendre, voilà, avec son Haaland, il joue bien le coup. Gullit, je fais n'importe quoi, 3 partout. Et ben voilà, le craquage, là, c'est la dernière minute, c'est la dernière action pour le mec. Qui va pas trembler et qui va mettre le 4-3. Voilà, je vous mets les stats, c'est équilibré, rien à dire, franchement, j'ai merdé. Et même sur le coup, c'est ce que je me suis dit, du coup, c'est ce qui m'a fait rester dans le fut de champ en vrai, parce que c'est vrai que des fois, quand tu perds, t'es dégoûté, t'as plus envie de jouer et derrière, t'enchaînes les défaites. Mais là, j'étais vraiment lucide et c'est de ma faute, voilà, c'est de ma faute. Du coup, bah, on va quand même pas baisser les bras, il y a quand même un élite 1 à aller chercher. Hein, en 23-0, pas faire élite 1, ça aurait été un gros gâchis. Vous m'excuserez les gars, il n'y avait plus de caméra, ça revient, la voici, la voilà. Donc ouais, il fallait pas, fallait y arriver quoi, tout simplement. 24-3, on tremble pas. Là, on a pris vraiment des mecs un peu moins bons, je pense que c'est parce qu'on a perdu 3 matchs de suite. Ils nous ont un petit peu allégé le matchmaking. Et là, c'est le match pour la 27e, il était 7h30. Et il ne fallait pas le perdre. Voilà, il ne fallait pas le perdre, le mec n'était pas mauvais. Et ça a mal commencé. 1-0. En sa faveur, mais voilà, on dominait. Franchement, j'avais touché un poteau avant, je ne l'ai pas mis. Et c'est vrai qu'on était quand même maître du jeu, on n'a pas tremblé, on a très peu fait d'erreurs. Regardez, ça joue juste, voilà, on ne se jette pas, on prend notre temps, on revient derrière. Là, l'agilité de Neymar qui fait toute la diff, ça fait du coup un partout. Et là, ça va partir bah, de notre défense, voilà, on va remonter le ballon tranquillement avec nos joueurs. Voilà, on va trouver Mahrez, on a vu l'appel d'Mbappé. Dans la surface de réparation, et là, le petit geste technique qui fait toute la diff. Vraiment, cette fake roulette, elle est juste magique, c'est un bonbon. Et c'est tellement efficace, et du coup, bah, vu qu'il était 7h30, le mec, je pense, a quitté pour se laisser un dernier match. Hein. Ça m'étonne pas, voilà, sur le coup. C'est pour ça, c'est bien de jouer à 7h, parce que les mecs quittent beaucoup pour justement se laisser un dernier match quand il leur reste des jokers. Et pour le coup, il m'aurait resté des matchs, c'est ce que j'aurais fait. Du coup, on termine élite 1. Voilà, ça faisait un petit moment en vrai, hein. Ça faisait plusieurs semaines. Et du coup, c'est cool, ça fait plaisir, ça remotive. En tout cas, je suis content, même si on aurait pu faire mieux. Voilà, on a craqué, c'est de ma faute. Franchement, il n'y a pas d'excuse du jeu, machin. C'est vrai qu'il y a des moments, j'aurais pu avoir un peu plus de réussite. Mais bon, c'est de ma faute. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, le petit Ben Yedder POTM qui fait bien plaisir, qui nous assure le élite 1. Je vous conseille en tout cas de faire son SBC. C'est vraiment très sympa en pur buteur. Et puis voilà, allez, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. On se dit à très vite. Ciao tout le monde.